Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien. Ouais. C'est vrai qu'avec les masques. Avec les masques, c'est. C'est un peu plus difficile. Vous pouvez mettre le masque. Vous n'avez pas de masque? Il y a le masque. Nous avons aussi ces vaccins en 2010. L'école m'a été payée en 1988. Nous avons 900 000 élèves et 17, 24 enseignants pour tous les deux groupes. Bonjour. Vous êtes tout beau en bleu, hein? On va commencer par un petit jeu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est important pour vous même? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que pour moi là, pour la maîtresse, ce qui est important pour la maîtresse, ce sont ses élèves, c'est ma famille, ce sont mes enfants, n'est-ce pas? Par exemple, mais pour vous alors, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Oui, vous? Quand on parle fort, on parle fort. Quand moi je parle, vous attendez, non? Très bien. Vous dites que ce qui est important pour lui, c'est sa famille. Lève la main. Tu dis que c'est la santé. Dis que ce qui est important pour toi, c'est la santé. Lève la main. Les gens qui sont. Les gens qui sont. Ils sont pas dit que les gens qui sont importants pour lui, ce sont les gens qui sont autour de lui. Lève la main, lève la main. Qu'est-ce que tu dis? Lève bien la main comme ça. Ce sont ses frères. Oui. Mohamed dit que ce qui est important pour lui, ce sont ses parents. Ok. Tiens. Qui a entendu parler du mot militant? Un militant. Qui a entendu le mot là? Le mot militant, qui a entendu ça? Le mot militant. On dit souvent ça. Militant. Quel est l'entendu parler de ce mot? Quel est l'entendu parler du mot militant? Le militant, c'est quelqu'un qui défend une cause louable, n'est-ce pas? Une bonne cause. Maintenant, vous laissez avec le maître. N'est-ce pas? Je ne veux pas décaler. C'est lui qui doit m'appeler maintenant, n'est-ce pas? Oui, madame. Voilà. Madame, je peux avoir la clé, s'il vous plaît? Voilà, merci. Bon. Tout à l'heure, madame la maîtresse vous a parlé du mot militant. Vous vous en souvenez? D'accord. Et il y a des sous-titres A et B. Le reboisement. Ça vous dit quelque chose? Si on coupe comme ça et comme ça, ça fait quel mot? Vas-y. Voilà, ça fait le mot bois. Et le bois fait partie de quoi? C'est quoi ici que la maîtresse a mis? Vas-y. Un peu plus fort. Une image de quoi? Si on parle de bois, on parle de quoi? Des arbres. Voilà, on parle des arbres. Quand on met ça, reboisement, ça veut dire replanter les arbres après les avoir coupés. D'accord? Qu'on replante les arbres. Vous pouvez faire pour que cette salle de classe soit propre, par exemple. Oui? Il faut ramasser les papiers. Quoi d'autre? Faut balayer, oui. On doit la
faut la laver, oui. Voilà, soulever les tables blanches et bien balayer, oui. Ramasser tous les papiers. Voilà, partout où on trouve que c'est sale, il faut mettre la propreté. Ça veut dire quoi? Il faut faire la propreté en classe, dans l'école, à la cour, partout, dans la rue, à la maison, n'est-ce pas? Et ça fait de vous aussi quoi? Des militants de la propreté. D'accord? Donc vous aussi, vous pouvez vous transformer en militant de la propreté parce que vous défendez une cause. C'est quoi votre cause? La propreté. D'accord? Et si vous êtes propre, on aura toujours un monde meilleur. Vous avez tous cette image avec le titre? Cette image ici? Vous avez regardé? C'est quelle image? Levez tous cette image-là. Soulevez le papier, montez-moi tous le papier. D'accord? C'est celui-ci. Voilà, voilà, c'est bien. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Voilà. Non, c'est l'autre. Regarde pour ta camarade. Tu as vu? Voilà, il faut soulever ce papier-là. Voilà, c'est bon. Pourquoi on ne doit pas couper tous les arbres? Oui? Applaudissez très fort pour elle. Elle a raison. Et toi? On ne doit pas couper l'arbre parce qu'il y aura la chaleur. D'accord. Toi? On ne doit pas couper les arbres parce que ça fait un gros. On ne doit pas couper les arbres parce que ça fait un gros beau dans la nature. Applaudissez très fort pour elle. Je vais accompagner sa réponse. Elle a parlé de la nature, n'est-ce pas? Merci. Pour vous, c'est quoi la nature? Oui? La nature, c'est ce qui est autour de nous. La nature, c'est ce qui est autour de nous. Voilà, la nature, c'est ce qui est autour de nous. Applaudissez très fort pour lui. Voilà. On ne doit pas couper. C'est vous-même, hein? Vous avez fait votre propre coup parce qu'on ne vous a rien dit, la maîtresse. Madame la maîtresse ne vous a rien dit. Je ne vous ai rien dit. C'est vous-même qui avez répondu, n'est-ce pas? Oui. Ça fait de vous alors quoi? Le mot de la maîtresse? Militants. Des militants. Vous êtes les militants de la propreté, les militants de la nature, les militants de la forêt, les militants entre vous-même parce que vous devez toujours défendre votre cause, vos droits. Nous sommes toujours là pour vous accompagner avec UNICEF. Madame la maîtresse, elle aussi, elle vous accompagne. Elle vous a dit tout à l'heure, c'est quoi la chose la plus importante pour elle? Oui? À haute voix? Oui, à haute voix? Applaudissez très fort pour elle. Même dans cette période difficile de Covid, on essaye d'être là. Vous avez vu, on a dû s'adapter avec les masques. Il a fallu qu'on me fasse mon test, que je sois négatif pour pouvoir être avec vous. D'accord? Il a fallu que j'aie mon test. Sinon, pour vous protéger, madame là, elle n'allait pas accepter que je sois ici. Si j'étais positif, j'allais rester à la maison. D'accord? Et comme je suis négatif, elle m'a permis d'être ici avec vous. Et pour qu'ensemble, nous puissions toujours demander... Quoi? Le reboisement des arbres. Parce que c'est ça qui nous protège. Elle a dit tout à l'heure, de la chaleur, du soleil, protéger notre nature. Pour que, quand vous serez aussi grand, que vos enfants puissent avoir des arbres, du bois pour fabriquer quoi? Des bancs. Merci. Merci pour votre accueil. Merci pour votre intelligence parce que
On sait que ce n'est pas facile, surtout en ces périodes, c'est encore plus difficile. Et vous n'avez peut-être pas eu les opportunités que nous avons eues, mais on était à votre place. Hein. On a été là il y a cela quelques années et on sait ce que ça fait. Et encore ici où c'est plus difficile, il faut féliciter votre maîtresse, votre madame la maîtresse, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile de travailler dans ces conditions. Mais c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que UNICEF est là. Quand cette madame à côté de moi était venue, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné. Et c'est pour ça que je serai toujours là. Ça fait la deuxième fois que je viens à Bertois. J'espère qu'on reviendra encore plusieurs fois. Comme le monsieur là, l'invité, il a dit, chaque vacances, il est avec vous et presque chaque jour. Et on sera toujours là pour vous. Ne vous sentez pas abandonné. On est toujours là et on pense à vous chaque jour. Donc, écoutez toujours votre maîtresse. Et je sais qu'en fin d'année, quand elle va me dire, Monsieur Fabrice, ils ont tous passé, je vais m'asseoir et je vais dire, on va vous faire de bons cadeaux. Donc, rendez-vous pendant les grandes vacances et j'espère que tout le monde va passer. Ensemble, nous pouvons réinventer un monde meilleur pour nous les enfants. Allez, on applaudit pour nous-mêmes. Bravo! Peindre le monde, vous voyez comment eux-mêmes ils sont engagés, motivés, et on essaye d'être avec eux, les accompagner partout, et ils ont l'initiative, nous on suit juste.